Allez, bonjour à tous, c'est Chitamen. Et non, je dirais pas salut à tous, cette fois je vais pas faire non plus de la schizophrénie à chaque vidéo. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour le défi numéro 15 sur Rugby Challenge, hein, pourquoi pas. On va préparer le 6 nations et on va tout continuer de digérer la défaite en Coupe du Monde. Et je ne suis pas seul, hein, comme on est quelques-uns dans la communauté à voir ce jeu, je suis avec République le chinois. Donc avec le chinois, il joue au rugby, il enchaîne direct, hein. Salut à toi République. Salut, salut tout le monde. Donc ça va bien? Voilà. Oui, ça va, oui. Tranquille, donc là ça commence tout de suite, hein, malheureusement. Attention, alors j'ai pris Clermont et tu as pris la Durand, Bayonnais, bien évidemment. On s'en souvient, tu m'avais. Regardez, ça commence. On s'en souvient, tu m'avais pas mal arnaqué. Sur l'arbitrage. C'est un défi, ouais, c'est vrai. Notamment le coup de. Je cours, mais en fait il revient direct à la faute. Enfin, il me laisse courir, c'était absolument scandaleux. Ouais. Je suis révolté d'une telle attitude. Allez. C'est parti là, donc voilà, premier défi de l'année 2012, hein, je suis tout seul, mais bon, c'est pas vraiment tout seul, je suis encore avec Rubik, je suis toujours avec la famille. La dernière fois, le dernier défi c'était Buzz pour Noël, et il y avait une magnifique double victoire, hein, de Gérard. Avant de partir, il prend les 2 points tranquille, donc ça nous fait 9-3 pour l'instant. On continue même sur les scores, et pourquoi pas peut-être 9-4 pour vous, ou alors 10 carrément pour nous. Attention. 9-4, 9-4. 9-4, non, 10-3, c'est bien 10-3. Allez, ça commence à arriver là. Oh, putain, se battre. Donc c'est un jeu plutôt bourrin, mais il y a pas mal de fails, j'ai remarqué, au niveau des animations et des passes en fait. Oui. Souvent ça fait la passe, mais il n'y a pas le mec. Oui. Voilà. Ça fait des passes un peu oui, c'est ça, donc c'est ça qui est un peu dommage, c'est-à-dire que le jeu est drôle, mais tu sais qu'il va y avoir une part d'aléatoire parce que ta passe va souvent être ratée, ou alors il fait mais pourquoi il fait ça, ou alors il passe à travers, on l'avait souvent vu. Hein. Ouais. Comme sur les mêlées. Les mêlées, t'as l'impression d'être parfait, lui il est moins bien, et pourtant c'est le coup. C'est ça. T'as para. Oh là, c'est souvent des trucs comme ça en ligne. Hein. Ouais, oh, là, il va en avant, non? Il passe après contact, et oui, comme c'est le jeu fait par les Néo-Zélandais, ils croient que tout le monde joue comme eux. Ouais. Donc, du coup, tout le monde joue aussi bien qu'eux. Voilà, c'est ça, donc du coup. Même Clermont, même Gary, ça va. Même le Portugal. Oh là là. Oh, Vermeulen. Attends, non, mais non. On va y aller. Non, non. Allez, oh, oui, 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 ah, c'est magnifique. C'est tout le temps enculé par Craig Glover, je déteste cette décision d'arbitrage. En fait, il est en train de dégorger. C'est n'importe quoi. Ah, oh, j'ai la balle. Je me relève, j'ai la balle et tout. Attention, attention. Que va dire Benjamin Fall? Alors, qu'est-ce que tu fais qui est au micro, hein. Ouais. Attention. Oh là là. Le mec est dégoûté, il en a perdu son visage, hein. Le mec de Clermont, on l'a pas reconnu. Mec récupère le ballon dans l'embut, mais il ne va pas raplatir. Non, il est trop. Oh, c'est ça. Je vais t'envoyer dans les tribunes, tu vois. Ah, il est offert celui-là, hein. Il est offert. Ah, il est beau. Oh, oh, il est bon. Ah, ouais. Cette fois il est bon, ça y est. Premier essai de Clermont-Auvergne. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué au jeu, hein. J'ai juste fait un match, et toi aussi t'as fait un match, mais bon. Vu que t'es tombé sur Toulouse, hein. Toulouse c'est un peu 50-0, oui. Voilà, c'est un peu Toulouse, c'est un peu Nouvelle-Zélande des clubs en fait. Donc grosso modo quand tu tombes contre Toulouse, c'est moche parce qu'ils font les passes entre contact super bien. Ouais. Donc ça joue quasiment que là-dessus. Donc là il y a un vent très fort. Donc est-ce que je sais? Oh, au milieu. Oh mais non. Oh là là, et t'inquiète pas, j'ai pris la leçon de la dernière fois, ça fait pas un tel affront. Mais bon, je sais que les secondes mi-temps t'appartiennent, c'est que tu vas payer l'arbitre. Ah, je m'en rappelle, hein. Je connais son vestiaire, oui. Oui, c'est pour ça, ouais. Il a fait tomber une enveloppe, le pauvre. Hein. Greg Joubert, il va faire tomber son anti bientôt, faites gaffe. Bientôt le mal. J'ai halluciné quand j'ai entendu que c'était Greg Joubert qui a dû régal, je pense. Ça va être beau, hein. Ah, ça va être un désastre. Ils nous en veulent en plus, ça va être absolument épique. Je sais même pas si on va finir à 13 contre 12. Il y aura de la baston, ça c'est sûr. Ouais. Oh là là, c'est moche ça, James. Claire, il a pas intérêt de jouer ce match parce qu'il va se faire découper, je pense. Ouais. Le capitaine aussi, il va vouloir en redonner, qui était exclu. Oui. Bon, c'était justifié quand même. Oui, oui, oui. Après, c'est que c'est une décision. Oh oui, oh, c'est magnifique, le côté fermé. J'occulte l'action, il ne se passe rien. Écoutez, ne l'écoutez pas, il ne se passe rien. Allez, non, allez. Ça change de Toulouse quand même. Ah ouais, il y a un peu plus de possibilités pour toi. Putain, c'est quand même plus drôle, c'est quand même le but de pouvoir s'amuser, parce que sinon on mange le Portugal et voilà. Au Portugal, ils sont quittés. Ils sont overquittés le Portugal. C'est bien connu, il met Ronaldo en ailier sur le côté. Non mais j'ai joué contre le Portugal juste avant, hein, match de choc, premier match depuis plusieurs mois. Et non, j'ai quand même gagné. C'est là au scandale. Mais le gars, il met des essais de 80 mètres avec le Portugal. Il fait des passes à contact mieux que la France. J'ai pas compris, j'ai halluciné quoi. On a la gare. Oh, ce que tu as mis. Ça, c'est moche parce qu'en fait, c'est dans le jeu que tu peux pas l'échapper. Oh, en plein milieu, entre les perches. Non, c'est difficile entre les. De défendre parce qu'en fait, ouais, tu fais des gros revirements comme ça. Oui. En vrai, c'est possible, hein. C'est la plus de genou, quoi, je veux dire. À 90 degrés, il te tourne et la plus de genou, quoi. Il est mort, quoi. Et là, dans ce jeu, c'est indéfendable parce qu'en fait, le temps que tu l'as vu, c'est trop tard. Parce qu'il y a une animation assez lente à se déclencher au niveau de la défense. Oh, pas... Par contre, à l'attaque, ça le fait pas, c'est dommage. Voilà, c'est beaucoup plus rapide. Ça a un avantage à l'attaque, effectivement. Parce que la défense, en fait, il subit l'action de l'autre, donc du coup, il recule et puis il fait généralement défoncer. C'est ça qu'il fait un bon triangle, une bonne cravate. J'en ai fait deux au match précédent, le Portugais il est tombé, il s'est relevé plus, il avait le coup par terre, il s'est relevé comme ça, il comprenait pas, qu'est-ce qui m'arrive et tout. Donc 14-0, bon ça se profile bien pour l'instant, mais c'est pas fini. Hein. C'est pas fini, il peut y avoir encore plus d'essais pour moi, qui se la raconte, donc pas du tout. Oh là là, c'est la débandade, ce que se produit en attaque. Ouf. Oh là là. Je crois qu'il a plus d'épaules. Oui, terminé, il peut faire une grève d'épaule si vous voulez. On en cherche justement. Ah, c'est très violent ce jeu de rugby. Ah, ça fait plaisir. J'avais vraiment envie de faire le jeu de rugby pour éliminer tout ce qu'on a fait. Oh lolololol. Oui, non plus. De Noël et de Nouvel An, il est temps de faire un peu de sport, hein, du rugby. C'est une préférence pour que ce soit bien violent, bien efficace. Ah, la touche elle est belle au milieu là. Voilà. Oh non. Oula. Pas maintenant. Ça sent la déconnexion là. Ah, tu m'as dit que tu faisais du lag switch, c'est pour ça que t'as connexion. Ouh. Et voilà, t'as multi de base. Je suis l'anti-jeu de base. Attention, carton pas. Mais oui, c'est Craig, allez, sors le Craig. C'est bien Craig. Putain, la poste, on a pas d'un, je suis dégoûté là. Regardez, elle est belle en plus. Elle est propre et tout, sans bavure quoi, il n'y a même pas de tache de sang quoi. Il n'y a pas de sang dans le jeu, c'est dommage. Ça ne reflète pas la réalité du combat. Ouf. Il s'est fait déchausser lui. Non. Flush. Allez, on se bat. Non, mais c'est... Oh non, il envoie tout le monde. C'est bon. Oh putain, sur la ligne là, il y a de quoi rager. Et moi je repars à la main. Je suis un warrior moi. Moi je connais pas les touches de. Oh oui. T'as pas de oui. Mais non. Oui, oh non. Oui. Attends, oh putain, Marc. Mais ça revient à la fin. C'est quoi ce bordel? Mais t'as fait Marc, mais normalement ça revient à la fin. Marc, ça revient à la fin. Putain, mais... Non, mais en fait, tu perds ton avantage dès que tu joues au pied, donc du coup, dès que tu l'as eu, t'as rejoué au pied. T'as fait triangle en fait, un truc comme ça. Ouais, c'est un peu léger. Au niveau de l'arbitrage, c'est un petit peu léger, mais bon. T'enlever. C'est trop pas réaliste du coup. Ils slalom comme si c'était des plots, les mecs quoi. Il est content, il fait putain, qu'est-ce qui m'arrive quoi. Allez, on va la faire au triangle. Je te le dis, je t'annonce. Oh, elle est pas trop droite, attention. J'ai regardé qu'on joue contre le Portugal, ils me volaient même les touches les mecs. Non mais j'hallucine quoi. Je savais même pas que le Portugal joue au rugby. Là l'équipe moment la plus mauvaise c'était l'Espagne qui avait genre 40 dans les jeux de rugby. Ouais, non, mais... Le Portugal au rugby j'ai fait lol quoi. Oh putain, James il a pas de main. C'est un passionné. Il a des mognons le mec quoi. Tu lui fais une passe, il fait une tête avec quoi. Non, il y a... Non. C'est bon, floche. C'est pas bon, oula, il avance pas lui. Il veut mes jambes. Il veut mes jambes peut-être. Même pas essayer. C'est moche hein. C'est là que tu te dis que l'embut devrait faire plusieurs mètres, hein, encore plusieurs mètres de plus en fait. Hein. Eh, il faut m'empêcher de jouer lui. Donc je voulais dire aussi, si vous avez ce jeu, si vous êtes intéressé, nous on a réfléchi, hein, tous ensemble ceux qui avons le jeu, et ce serait intéressant de faire peut-être un tournoi de destination, réel, donc c'est-à-dire qu'on fera un tirage au sort qui prend l'équipe, donc malheur à celui qui prend l'Italie, hein, malheureusement. Et ça serait plutôt intéressant effectivement, 6 personnes, donc 6 inscrits, donc 5, hein, parce que moi je participe. Et on se fait un petit tournoi comme ça. Ça sera une sorte de tournoi événementiel en même temps. Et moi je trouve que ce serait sympa de faire ça, pourquoi pas. Mais dites-nous si vous êtes intéressés, on fera ça. Moi je filmerai peut-être mes matchs pour voir si je réussis à faire le grand chelem ou pas. Clément, classement. Je trouve que ça peut être intéressant de faire vivre ce jeu pendant un mois, tu vois, comme ça. Ouais, il y a Asdun qui est là, il y en a deux autres aussi qui s'étaient inscrits, je crois qu'on était 4 ou 5, et voilà. On peut presque à la limite faire en même temps que les vrais matchs. Ouais, c'est clair, ouais, effectivement, on dit voilà, là, vous avez cette rencontre-là, mais après, vous avez ce petit calendrier, mais en gros, on les fait dans l'ordre aussi, par exemple. Ouais. Il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que moi, je trouve que ça pourrait être intéressant, parce que voilà, ça fait une sorte de tournoi, et en même temps, on se base sur la réalité, donc... ça pourrait faire vivre ce jeu aussi parce qu'il n'y a pas que Topspin et FIFA qui peuvent faire des tournois. Ce jeu peut le faire et puis à 6 personnes, je trouve que ça sera mieux qu'à 16, ça sera un peu désincarné. Là, on prend par rapport à la réalité les 6 nations. Quoi. Ouais. On fera un petit tirage au sort et ceux qui ont l'Angleterre et la France ils sont contents. Et voilà. Après, les autres équipes sont utilisables aussi. De toute façon, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'ai vu le mec jouer au Portugal, je le rappelle. Il l'a envoyé. Quoi. Puis si on n'est pas assez, on fera un tri-nation. Un quad nation. Quoi. Ouais. Parce que maintenant, il y a l'Argentine. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils vont prendre cher aussi. Même s'ils sont pas si mauvais que ça, mais bon, voilà. Les autres, quand même, en face, les trois, c'est pas les plus ridicules. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Malzieux, cadrage débordement. Oh là là. Oui, il a failli passer. Il a attrapé à la toute fin. Je sais même pas si c'était légal, ça. Attention. Il était smart. Donc voilà, c'est bon. C'est bon, je prends cher. C'est bon, bah oui, non mais je voulais pas reperdre non plus. Oh, je drop d'ici. C'est pas James non plus, hein, mais bon. Marc. Non, yes, allô. Même pas, c'est même pas. T'avais pas crié, faut crier, c'est reconnaissance vocale. Voilà ce que j'aime pas au niveau de la défense. Alors là, c'est un peu laid ça aussi. On se bat. Ouais, ça j'aime pas trop, tu vois. On se bat et puis tout à coup ça fait un sorte de... Oh, ça... un matraquage au carré, ça... ouais. Ah, c'est... Pour le rugbyman, il matraque la manette. Oh là là. Et cette fois je vais le marquer peut-être. Peut-être pas, attention. Hey, ne parle pas si vite que ça. C'est bon. Il fait une roulade, il se trompe en fait. Il y a vidéo, il finit en touffe quoi. Oh mais tout à l'heure j'ai fait un avant à 1 mètre de la ligne. Donc... Ah ça c'est mais ça peut arriver. Le mec aussi il m'a arnaqué tout à l'heure parce que je jouais et vraiment quand t'es dans le but il te laisse pas marquer donc il te flaque, du coup tu tombes sur le dos. Il n'y a pas essai quoi. Oh elle est moche hein. Oh, je suis désolé elle est moche là. Oh le lag. Lag. Attends, on est pas très loin donc je pense que le lag une connexion en carton. Oh mais il y a du vent énorme c'est pour ça aussi. Mais de toute façon, quand tu mets pas dans les couleurs, dans les coloris, tu le sens, ça sent pas bon déjà. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que dès que t'es dehors, ça fait un truc horrible. Même si t'es un tout petit peu dehors, hein, tu sais que ça ira jamais quoi. Ouais, c'est pas très réel. Ouais. Bah, tu te loupes le croix, on dirait que. Ouais, c'est ça. Oh putain. Il s'est fait démonter lui. Il reviendra plus, je vois 14, hein, c'est bon. Voilà, c'est ce que je disais, le problème est pas, ça les font à n'importe qui. Il a pas de main lui non plus. Bon, je note ce qu'on pas de main, je vais leur en acheter hein, parce que. Lui canal, apparemment il est pas trop... Ah, il veut se battre. Ah, il est chaud là. Il a bavé sur son maillot, les roses. Franchement, quand tu fais ça, tu fermes ta gueule quoi. Tu veux pas... On te fait une tuerie. Quand tu fais une action comme ça, tu fermes ta gueule et tu joues. T'en vas, tu me fais excusez-moi les gars, j'ai pas vu, voilà. Ah, je crois que j'étais en bas. Oh, je vais la faire écrouler là. Allez, comment on fait déjà? Elle est un R1 je crois. Ah je sais plus ouais. J'ai pratiqué cet anti-jeu à un moment mais... Oh oui, moi aussi, à 1 mètre de la ligne, à 5 mètres de la ligne déjà. Allez. On va remonter. Ah. On me dit qu'il ne s'est pas plaqué. Il fait que passer à côté, il fait jamais message pour vous, c'est bon je suis passé. Tu vas où? Attends, là je prends des mecs qui sont carrément hors jeu. Je fais totalement l'anti-jeu total, attention. Là la gars. Ouais c'est bon on récupère. Allez je joue à la main, je suis beau joueur. Voilà. Pas pour moi au premier match. J'avais dégagé quand même. C'est clair. Ah c'est je m'en rappelle ça y est. Attends pour la peine, ça je m'en rappelle. Je vais me lancer. Ah c'est clair, attends t'aurais jamais dû dire ça. Attention. Oh oui. Quel saut. Et les placards. Oh ah, ils ont pas envie. J'ai peur. Non je veux pas, en plus il est gentil donc il mérite pas que je le plaque. Boum. Lui il a pas peur. Ah, c'est comme ça qu'on tape dans le milieu là. Plaquage au haut, bah c'est fini de toute façon. Non? Non. Et si je joue à la main? Ah ouais, ok, d'accord. Si je joue à la main. On sait que quand tu joues sur la carrière, c'est 5 minutes, genre les matchs, et tu peux arriver à 120 minutes dans la première mi-temps. J'ai réussi, toi. Hein. Ah oui, mais c'est n'importe quoi. Le pire, c'était un jeu, je sais plus comment il s'appelait, un jeu de rugby, c'était. Je sais plus, il y avait des clubs aussi. Ouais. Et tu pouvais faire 300 minutes dans la première mi-temps, ça sifflait jamais. Tu faisais des matchs d'une demi-heure alors que la mi-temps c'était 5 minutes, c'était trop. Ah, ça, il suffit que le mec il relance à la main et toi aussi, il te sort pas, tu fais pas de touche et c'est bon. L'arbitre il a rien à dire donc. Oh là là. Ah, mais attends, mais je cours avec les piliers, les 1. Mais c'est pas parce qu'il est 1 qui court le plus vite de l'équipe, hein, attention, hein. Ils se sont trompés là. C'est les 1, ils font 1m20 et ils font 150 kg puis ils courent et marquer l'essai, ils croient quand même. Allez, allez, on est là, on s'embourbe là. Ah, c'est fini, boire la gourde, c'est fini. Le magnifique ralenti, c'est qu'il fail. C'est jamais fini. Oh, James! Non, mais pourquoi pédale? Mais pourquoi pédale touche? Je sais même pas ce que c'est. Voilà, oh, la Chitera dans le dos, elle a pas marché. Je crois que j'étais un tout petit peu légèrement. Ah, pas dehors, pas dehors. C'est toi qui vas faire le coup. Oh, mais non, j'en ai marre. Je vais jamais. Bon, allez, je fais des... Allez, on conteste, les gars. Voilà. Bien, les gars. Non, je conteste. Ah merde, il était avec. Le bug graphique, il avait le maillot, enfin le ballon qui était collé à sa poitrine. Je pense qu'il y a de la triche au niveau de Clermont, ils ont mis des scotch sur le maillot. Comme ça, c'est pour éviter d'un avant. Mais Julien Bonheur qui est tout moche, hein. Malheureusement. Allez, je me suis mis à faire des fins de passe. Allez, celle-là c'est pour le public, celle-là je fais une merde. Attends, on peut avancer alors comme ça? Ils trichent les mecs, ils avancent. Non mais c'est quand t'es en face parce que là ça va être de plus en plus difficile. Mais je fais exprès. Allez, cette fois je suis gentil, je te la mets pas, je suis beau joueur. Je sais de te faire un poteau FIFA. Vrai que tu la mets? Poteau. Oh oui, il l'a mis. J'ai visé le poteau. C'est très facile de faire des poteaux dans ce jeu, j'ai remarqué. Voilà, 26-5, je te vends de l'espoir. C'est le seul jeu où j'ai content d'avoir fait les poteaux. Et j'ai fait, ouais, le poteau rentrant, ça existe aussi, mais c'est assez drôle. Hein. C'est genre que tu la passes de 50 mètres, tu fais poteau rentrant, tu fais, oh putain. Là, il y a de la maîtrise, j'avais tout calculé. Tu sais qu'à 1 mm près, au niveau de la jauge que t'as arrêté, ça passait pas. Hein. Ça t'est déjà arrivé le bug graphique où t'as 15 ballons sur le terrain? Ah non, parle-nous-en. Ah oui, t'as à chaque joueur un ballon. Mais attends, chaque joueur de ton équipe a un ballon. Tu jouais avec quel pays? La Corée du Nord? Non, comme ça, c'est-à-dire que on a tous le ballon et le premier qui marque, ça suffit. Et l'adversaire n'a pas de ballon, bien évidemment. 15 ballons, ah non. Moi j'ai eu des joueurs qui montent l'un sur l'autre et qui bug et qui font n'importe quoi. Bon, tous les bugs de collision, bien évidemment, mais. Putain, 15 ballons, je rage du coup là. Oh, j'ai eu notamment une fois l'arbitre. Hein, tu te rappelles ton match? Mais alors que j'avais la balle. Et ça m'est arrivé au match de chauffe là aussi. Je partais à l'essai et il est revenu à la faute, allant en avant. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'étais hors jeu là. Ils sont carrément hors jeu, les mecs. Ouais, c'est absolument énorme. Et ils sont derrière quand ils te prennent, ils sont derrière le rock quoi. Où il va la tenter? Mais je suis joueur moi. Mais je vois ça, attention, tu sais que je sais que c'est foutu là déjà. Au pied c'est chaud parce que c'est pas un vrai match de rugby donc en fait c'est comme au foot, c'est-à-dire que tu vas tout le temps essayer de marquer des buts, c'est pareil. Et le hors-jeu là. Non non. Ah, coach, il est pas du tout aligné avec le rock donc du coup il voit pas les hors-jeux. Normalement je l'ai payé là, ça. Qu'est-ce qu'il faut? Mais je l'ai payé encore plus. Je lui dis que voilà, Mako il allait le voir sinon. Il est talonné à la main. Ça rappelle le Mako. Hein. Oui. Excellent joueur. Excellent joueur, oui. Avec des qualités morales. Oh putain. À toute épreuve. Hein. Il est unique que le mec. Non, je voulais pas faire ça. Je voulais faire rond, tant pis. Je voulais jouer à la main parce que moi je suis joueur. Hein. Enfin, c'est que Mako, quand il se met hors jeu, qu'il joue le ballon au sol avec les mains, c'est magnifique. Tu te dis, on siffle pas ça quand même. Oh, c'est beau. Et qu'on siffle des flottes imaginaires pour les Bayonnais, enfin pour les Français. Ouais, ils sont baillonnés d'abord. Oh putain. Oh viens là toi. Oh il s'attrape. Il a pas de main mais pour attraper il a des mains. Attention. Ah mais c'est vrai que UG il est dopé là. Ouais. Oh non j'ai perdu la balle là-dessus. Non. Allez je me fous hors jeu, je m'en fous. Oh la feinte. Oh la feinte. Non, il est chaud. Il fait à droite en fait, elle va derrière. Ça, ce sont des effets que même les joueurs essaient et travaillent dessus, mais ils n'arrivent encore pas à aboutir à un tel résultat. Ça voit les développeurs. Ils sont avant-gardistes, hein, j'ai envie de dire. C'est plus tard. Non, mais c'est pour ça. C'est le rugby néo-zélandais, tu peux pas tester. Ils jouent comme ça aussi. Ils jouent comme ça aussi. Ils font des passes horribles. Ils ont les équipes de France des prochaines générations avec téléphonie à la baguette. Perota, franchement, je suis dégoûté. Les mecs, ils ont inversé le fichier avec l'Italie, c'est pas possible. Quoi. Je veux dire, quitte à mettre nos français, tu mets Dupont, Durand, Jacques, tu vois. Voilà, des trucs bien clichés, mais des trucs français. Dans les clichés, mais au moins clichés français. Parce que Perota, téléphonie. Téléphonie, mais. Téléphonie. Faire aussi, non mais. On nous dit entre l'anglais et l'italien à chaque fois, quoi. Comme si les Français n'avaient pas de nom particulier. Ouais. C'est n'importe quoi, c'est honteux. Après, voilà, on attend aussi le prochain Rugby Challenge hein, pour qu'ils puissent améliorer tout ça et peut-être mettre la Pro D2. C'est cool. Ouais, avec Dax. Voilà. C'est mon rêve. Tu prendrais Dax Toulouse en ligne. Je vais prendre faire. Mais non, il y a pénalité, je joue hors jeu exprès quoi. Bon, tant pis. Ouais, après, il faut aussi qu'il règle tous ces problèmes de collision. Hein. Oui. Ça peut y mettre des captures partout quand John Alemou il fait les motion captures. Oui, les photos, t'as des captures partout, mais après t'as des bugs partout aussi. C'est moche. Oh, c'est brouillon. Oh, c'est brouillon. On comprend. Oh, c'est brouillon. Ah, je le découpe. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, j'ai fait des passes après contact. J'ai matraqué R1 à l'an. Mais non, mais t'es un gros boulet, non, regarde. C'est moche. Pour la peine, je te la redonne parce que c'est tellement moche. Il est 15 ou 14, donc il est 14, donc tout sur le côté. Il croit qu'il y a un mec à côté. Mais il rate sa cuisse, il rate son numéro, je veux dire, il rate sur le côté, il sait qu'il n'y a personne quoi. Lancé illégal. Non, 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 illégal. Qu'est-ce qu'ils sont moches les pauvres. C'est orageux les Clermontois là. On gagne, il rage quoi. Vas-y, marque l'essai, tu vois un peu. Je veux juste te taper moi. Ah oui, c'est non, tu peux pas, tu vas faire la touche. Ouais. Ou la mêlée. Mais j'aime pas la mêlée. Non, la mêlée, ouais. Lopette, c'est que des QTE, c'est assez dur à la maîtriser. Ouais, je fais que 30 pour faucher. Vas-y. Moi je veux juste blesser, moi je suis là pour blesser. J'aime faire mal. Moi je suis au rugby, je suis là pour. C'est aussi bizarre les dégâts sur les maillots en fait. T'as vu le ballon qui a bugué? Non. Il bug pas partout en même temps en fait. C'est le multi-ball. Moi quand il bug, il est resté collé à mon truc. Ouf, c'est beau. Ouf, c'est beau. Ouf, c'est beau. Voilà un peu de laxisme là. On va se resserrer. Je veux juste découper en fait moi. Donc, le blesser le mec. Hop, on voit, il évite. C'est assez drôle au niveau de comment ils évitent les animations, comment ils évitent les plaquages. Il n'y a que Craig Moon qui évite comme ça quoi. Craig. C'est le mec qui a changé d'identité en fait. Hein. C'est lui. Oh là là. Ah, et là tu l'as peut-être payé. T'as un supporter que t'aimes pas visiblement, c'est ça? Tu veux lui tirer dessus hein. Ouais. T'as eu le soleil dans les yeux, le reflet dans l'écran, dans les yeux. Il a pas pu se concentrer quoi. On voit la jouer short. Elle est vraiment en short là, par contre. Non, mais elle passe pas la ligne, non, non. Attends, j'attends. Yes, c'est bon. Mais c'est quoi cet arbitre? En fait, il me semble qu'on peut attendre qu'elle passe la ligne, donc du coup, j'ai joué sur le vent. Oh, Julien Pierre, tu vois, Julien Pierre. Il me semblait qu'aussi au premier moment, ça passait pas. Il me semblait que c'est ça aussi, mais en fait, l'arbitre ayant suivi l'école de Greg Joubert, il a certains développé un certain laxisme. Non. Oh le slalom. Oh le slalom. Et là il se prend les poteaux à la fin. Oh attention ils reviennent là. Attention les baïonnés ils reviennent hein. Là clairement on va commencer à se déchirer, à se battre. J'ai toujours pas marqué une transformation. Je sais pas ce qu'il a Craig. Non mais Craig il se fait insulter par tout le stade en fait donc Ah. Ah mais le vent, ouais, de toute façon le vent n'a pas d'effet à 10 mètres voilà. Il a de l'effet à partir de 45 mètres sur les pénalités. Et à 45 mètres, j'arrive jamais à les mettre, alors ça me... je m'en fous. C'est clair, de toute façon à 45 mètres, moi je joue à la main. Hein. Bon, cette fois on va jouer long. Faut que je mette un drop quand même. J'en mets à chaque fois, à chaque match. Putain, je menais genre 26-0 là, il y a un certain laxisme qui s'est développé. Attention, là on se resserre là, c'est pas encore acquis, c'est pas encore gagné, essayez de m'endormir. Voilà. Oh, mais. Vous bouffe là. Hop, on passe après contact. J'aurais dû prendre Toulouse. J'aurais dû prendre le Portugal. Le Portugal. Oh non. Voilà, on met tout le monde d'accord. Avec un essai direct de la Mandrie, je crois. Le mec qui a pas de nom. Voilà, ils se félicitent, c'est bien, ça fait. Ils ont cru pas mal de feux d'artifice au Stade de France parce que. Ah non, c'est Malzieux. Parce que ça fait pas mal d'essais qu'on met à force. Hein. Allez, voilà, bon, cette fois je la mets elle. Hop. Sinon le stade est quand même bien fait, tu vois, Canal Plus et tout, l'ambiance est plutôt bonne, la mise en scène quand même, qu'on rappelle de ce jeu. Ça faisait quand même plaisir d'avoir un jeu comme ça face à, oh non, Rugby World Cup qui était complètement affligeant quoi. Ça me fait penser à Rugby 08. Et Rugby 08 c'était pas mal quand même. Enfin, ouais, il était franchement, il avait le fun et le plaisir de jouer, c'est ce qui compte parfaitement dans un jeu en premier. Et Rugby World Cup, il a bidé en fait parce que 4 ans après, c'est la même chose, en moins bien, en moins beaucoup moins de contenu. Je l'avais sur PC et il y avait des patchs avec tous les stats. Moi aussi, ouais. C'était complètement énorme. Déjà dans Rugby 08 de base, il y avait des clubs, chose qu'il n'y a plus dans World Cup quoi. Donc, il y avait les clubs de Coupe d'Europe. Oui, oui. Et des faux clubs. Oui, ouais, c'est ça. Après, c'est avec les patchs, c'est déjà fait. Déjà, ils avaient fait l'effort de mettre des faux clubs. Le panneau publicitaire qui arrête même pas le ballon. Bah oui, déjà, il suffit qu'il y ait le club, ça suffit largement parce que après tu les modifies. Quand il n'y a pas le club, tu peux pas créer toute l'équipe. Tu peux créer un joueur, même tu peux même pas créer de joueur, donc voilà, ça limite tout. Allez, engage. Hop là, engagement. S'il vous plaît, je peux rejouer. C'est dur ça quand même à faire là, je me fais autant de violer. Oh là là, ça c'est les magnifiques passes. C'est personne. Non. Ça c'est le bug en fait. Quand tu sors de mêlée, ça fait les passes mais vraiment à personne quoi. Allez, James. Ah, t'as vu? C'est un scandale là. Allez, sort. Putain, c'est un scandale. Il ne rattrape même pas le mec au sol quoi. Ça c'est vraiment scandaleux quoi. Allez, sur la ligne des 22. C'est pas gagné. Oh si. C'est gagné quand même. Mais bon, faut assurer le bonus hein, niveau offensif ou défensif là. Tu l'as le bonus. Ouais. T'as marqué 4 essais. Ouais. Au moins. Ouais. Et toi, tu veux le défensif? Ouh, ça va être dur. Il faut accrocher hein. Moins de 7 points. Ouais. Il faut y aller. Aïe, aïe, aïe. Il faut mettre plus que des pénalités. Non. J'ai intérêt à m'entraîner pour le tournoi de destination. Mais qu'est-ce qu'il fait Malzieux quoi. Il aime bien aplatir en fait Malzieux. Quel que soit le côté, il a envie quoi. Try. Oh, pardon. Attention, c'est pas... Il m'envoie chez moi. Donc, ça, c'est une règle en fait. La mêlée s'arrête à la ligne, c'est ça? Ouais, mais je trouve ça complètement nul. Après, ça passe ou pas en fait? Non, ça peut pas. Si, tu peux rentrer dans l'embut. Après, le numéro 8, il aplatit, mais. Ouais, parce que là, c'est bloqué, il y a un mur invisible là. Ouais, tu peux, oui, ça s'arrête automatiquement quand tu. Du coup, moi je le mets, mais l'envoyer au-delà de l'embut tellement violemment. Allez, je fais une remontée fantastique. Non, c'est monsieur l'arbitre, ça. Je sais qu'on l'a payé, mais il ne joue pas encore avec nous. C'est le 16ème homme, mais quand même. Ça, c'est le mec qui font. Non, mais faut pas que ce soit trop flagrant non plus. Le mec, je sais qu'on l'a payé, je sais qu'il mange tout le dimanche avec nous, qu'on tutoie et tout. Mais bon, de là à le faire jouer avec nous lors des matchs officiels, il n'y a qu'un pas qu'on n'a pas encore franchi. Oh là là. Oh. Mais ça fait cochon les caméras chez moi. C'est magnifique. Hop, bien avant. Pas mal les après contact en avant quoi. Combat d'infirme vers la fin du match, ils sont fatigués les joueurs hein. Elle est pour toi celle-là. Voilà. C'est pas fini. Et celle-là elle va passer. Allez UG, t'es dopé. Non. Mais non mais... Ah, Julien Pierre il y va, il envoie. Il y a des histoires que je ne connaissais pas. Boum. Ah, je fais beaucoup de fautes, hein. Je suis un jeu de connard qui prend leur jeu. Vas-y, joue à moi à la main, tu vas abonner un peu là. Non. James, oh là là, James, terrible. J'adore quand il fait des drops de 50 mètres. Il prend la balle d'une main et il te l'envoie loin, loin, loin. Oh, allez. Oui. Oh non. Et ça a battu le poteau, ça a battu le poteau. Je vais commencer à racheter hein. À la limite, enfin oui le poteau mais je me dis que... Attends, on va revoir. On va voir ce qu'un fouillage. Ils sont 15 au milieu. Là, ça sort. Il court, il se fait taper. Ah oula. C'est... Je revois une fois de plus, c'est tendancieux ça. Je crois qu'avant de reculer, il aplatit juste sur la ligne. On va voir. Ah ouais, il aplatit sur la ligne, je pense, en se faisant plaisir. Voilà, là, il aplatit et il s'est reculé. Ouais. Il a dû. Ouais, de toute façon, les pieds passent à travers le ballon et les mains, donc je pense pas que. Il y aura de précision à l'extrême dans ce jeu. Hein. Et vas-y, marque ta transformation, il serait temps. Oh, 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 oh. Elle est belle celle-là. Ah, allez, c'est faisable le bonus. Allez, non. On veut les points. Eh, si je marque à égalité. Eh oui. Oh, merde, attends, faut jouer dans mon embut comme j'ai fait contre le Portugal. J'ai joué dans mon embut, après il me place dans mon embut et c'est la fin du match. Il rage à mort et limite il m'envoie des messages d'insultes, de menaces et tout. Allez, allez, allez. Oh, mais non, mais. Mais t'es un gros plan toi. Putain, c'est un gros plan mais... Il reste 5 minutes. On perd de 7 points. Je rends la balle. Je comprends ça. Le mec il est chez lui. Il joue au pied alors qu'ils sont menants. Ils ont plus qu'à jouer quoi. Il a pas pu pied du match. Mais là c'est lui. Il veut jouer au match. Il veut jouer au pied. Oh, passe en avant. Alors passe en avant, plus personne touche la balle. Tout le monde respecte. Ça c'est un peu n'importe quoi. Tout le monde respecte et tout le monde a entendu siffler. Tout le monde arrête de jouer quoi. Attention, la mêlée au milieu de terrain. Allez, il reste. Ça va être dur. Ça va être difficile. C'est la fin, voilà, ça a sifflé. Surtout pas que je perds la balle, voilà. Je la prenne. Putain, je fais des belles mêlées pourtant, de beaux QTE. Et si ça fait 31 partout, c'est qui gagne? Non, mais non! Voilà, t'as pas de main, tu veux acheter des gants? Allez, voilà, on touche! Ouais, donc tu disais si ça fait 31, ben avant de faire 31, il faudrait que ton personnage ait des mains. Tu peux l'acheter des gants adhésifs comme j'ai moi. Moi j'ai le maillot adhésif, c'est chaud là, mec. Mais il se foire à la toute fin, il fait une passe, en avant. Il fait le match parfait et là il a l'occasion de essayer. Il a un boulevard devant lui, hop, il met ses moignons en avant, la balle est rebondie sur sa tête en avant. Le photographe il était très mal. Ah mais le photographe il se prend pas en photo lui. Donc voilà, 5 essais à 4, match plutôt disputé, même si bon, pas mal du tout. Glover qui a pas mal raté ses informations, mais moi je n'ai mis que 2. 3 sur 5 aussi. Voilà, pas de pénalité, un match plutôt on a joué à la main, on a joué à l'ancienne on va dire. Et pas de 30 non plus. Donc voilà, défi numéro 15 remporté, bon ça c'est pour s'amuser. Donc bah, je te remercie République d'avoir participé à ce défi, c'est bien sympa. Merci à toi. Ah, de rien. Donc j'espère que pour cette nation ça donnera suite, comme ça on aura l'occasion de se rencontrer avec notre nation bien drôle, on pourra encore rager. Mettra la pluie et tout. En tout cas, si voilà, c'est ça, avec téléphonie, Gérard et Perota, surtout Perota en pointe, n'oubliez pas. Non, en tout cas, ouais, ça m'intéresserait. Ouais, c'est limite, les noms sont tellement faux qu'on va finir faire un euro du rugby. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à donner suite. On donnera les modalités si on est complet. Donc ce sera des matchs de 20 minutes et puis on tirera au sort. Je tirerai au sort les équipes, ce sera bien drôle. Donc voilà, je te remercie et puis voilà, merci, au revoir. Ciao, salut. Now I know the only compass that I need.